Le bruit du monde, je l'entends étouffé, mais il parvient jusqu'à moi. Ce pays qui m'attend est unique au monde, immense. 1,2 milliard de personnes, et moi, qui arrive dans quelques semaines. L'Inde, puisque c'est mon pays, me tend les bras. Mais parfois l'émotion m'étreint, je pense à mon avenir et une question revient sans cesse. Une question centrale dans ce pays, la question. Serais-je un garçon ou une fille? Elles sont jolies, les filles, là-bas. C'est au Rajasthan, paraît-il, que l'on trouve les plus beaux sourires d'Inde. Pourtant, je prie pour ça, ce n'est pas ici que je veux venir au monde. Dans ce grand pays, c'est même ce qui peut arriver de pire à une fille. Jaisalmer, la cité d'or se dresse au-dessus du désert, perdue à l'extrême ouest de l'Inde. La forteresse n'a pas bougé depuis le Moyen Âge. Et les mentalités aussi. Les hommes, depuis des millénaires, s'accrochent à une tradition barbare. Ils tuent leurs filles. Saroj a 11 ans et c'est une rescapée. Sa mère s'est battue pour la garder et son père heureusement a suivi. Mais il y a eu un prix à payer pour ne pas avoir respecté la tradition. La famille a dû quitter son village. J'aimais pas vivre au village. Il n'y a pas de fille là-bas. En fait, il n'y avait qu'une fille. Du coup, moi, j'avais qu'une amie. Le reste, c'est que des garçons. Pour cette société, Saroj, comme beaucoup de filles, est un fardeau. Au Rajasthan, les filles, ça ne travaille pas, ça ne rapporte pas d'argent. Elles ne transmettent pas non plus le nom de la famille. Et puis surtout, un jour, il faut les marier, ces filles. Et ça coûte beaucoup d'argent. Champa a donné 4 fois la vie. À Saroj, donc, à son petit frère Rajiv, mais aussi à 2 autres filles qu'elle n'a pas eu la force de sauver. Quand tu as eu ta première fille, tu as dû la tuer toi-même? Je l'ai étouffée avec du sable. Tu as fait ça? C'est ma belle-mère qui m'a demandé ça. Elle t'a dit de le faire? Mais tu as essayé de refuser, de lui dire non? Non. Tu as juste fait ce qu'elle te disait. Je n'ai pas refusé, parce que c'est la tradition. On n'a pas le choix, il faut écouter. Personne ne peut refuser. J'étais une toute jeune fille, qu'est-ce que je pouvais faire? Tout le monde disait, elle a donné naissance à une fille, on va la tuer. C'est notre tradition. Ils m'ont dit de le faire, et je l'ai fait. Quand ma seconde fille est née, ma belle-sœur et ma belle-mère l'ont prise. Moi, je me suis caché le visage. Je ne voulais pas voir ça. Elles l'ont mise dans une boîte. Elle était nue. Elle n'avait pas d'habit. C'était tout de suite après sa naissance. C'est ce qu'on fait ici. On les met dans une boîte, puis on les recouvre de terre. Ensuite, on les laisse comme ça toute la nuit. Ils les étouffent lentement. Le lendemain, avant le lever du soleil, ils sont venus. Ils ont emporté la boîte et sont partis l'enterrer quelque part. Puis ils sont rentrés
Ils ont lavé leurs mains, leurs pieds, et ils ont pris le premier repas de la journée. Elle te manque, ta fille ? Continuer à vivre, mais à quel prix ? Il y a les fantômes qui hantent l'esprit de Champa, et puis la culpabilité qui ronge celui de Saroj. Celle d'être là, alors que ses sœurs n'ont plus aucune chance. Et puis il y a la vie qui sans cesse rappelle ce souvenir, chaque retour au village qui est douloureux. À mesure que défile le bitume, on rejoint le cœur de la tragédie, le lieu où cette tradition des infanticides prend racine. Ce village, c'est l'un de ceux qui compte aujourd'hui le plus grand déséquilibre entre hommes et femmes de tout le continent indien. À Pitla, on est au bout du monde. Et après l'école, il n'y a que des garçons pour jouer dans ces rues poussiéreuses. Saroj est de retour. Et aujourd'hui, Champa, sa mère, l'emmène chez la femme qui lui a sauvé la vie. C'était il y a 11 ans. Soyez les bienvenus. Allez, on y va. Gajendra est une figure connue dans tout le Rajasthan. C'est la première femme, il y a 30 ans, à avoir défié l'ordre établi, à s'être opposée à l'infanticide. Cette femme, d'un milieu aisé, est devenue le modèle de milliers de villageoises, comme Champa. Gajendra a toujours dit qu'il fallait sauver les filles. Elle insiste, les filles doivent vivre. Mais les femmes du village n'écoutent pas ses paroles. Elle m'a expliqué que garder ma fille était juste. Ce sont des choses que je ne comprenais pas avant, mais dont je suis consciente aujourd'hui. C'est parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Quand ma première fille est née, ma famille n'était pas contente du tout. Ma belle-mère en particulier. Ils se réjouissaient tous à l'idée d'avoir un garçon. Personne, bien sûr, ne m'a dit en face qu'il ne voulait pas garder ma fille. Mais c'est parce que mon mari était à mes côtés qu'elle est vivante aujourd'hui. Il m'a soutenue de toute son autorité et leur a dit « Personne ne fera de problème à ma femme. Les enfants qui naîtront ici dans cette maison, quel que soit leur sexe, ils vivront. » C'est là que mon combat a commencé. À partir de ce moment, des femmes du village sont venues me chercher régulièrement. Elles me disaient « Ma belle-famille ne veut pas garder ma fille, il faut que tu leur parles. Allez, viens !» Avec Gajendra, une toute petite révolution est en marche dans ces villages. Saroj, en tout cas, lui sera reconnaissante à jamais. Mais pour sa vie sauvée, combien d'autres encore continueront à être sacrifiés ? C'est le chant des morts qui plane aujourd'hui au-dessus du village. Chaque mois, on leur rend hommage. Chaque mois aussi, c'est ce jour que choisissent les hommes pour se réunir. Les panchayats, ce sont des tribunaux populaires, des organisations officiellement interdites, mais qui régissent encore la vie de centaines de millions d'Indiens dans les campagnes. Ici, on s'accroche au pouvoir, tout autant qu'aux traditions.
Mon nom est Malabushan. Je suis un guerrier Rajput. J'ai 6 enfants, tous des garçons. Ils sont mariés et chacun d'entre eux a eu 2 fils. Que des garçons, mais c'est juste de la chance. Nous, les Rajputs, les guerriers du Rajasthan, on est très attachés à la domination des hommes. Si une fille fait des études, elle n'écoutera plus son père et sa mère. Elle voudra alors voir du monde, sortir de la maison. Comment on peut laisser sortir une fille? Si quelqu'un du village la voit traîner dehors, les gens viendront me voir. On a vu ta fille traîner avec des garçons. On sera alors montré du doigt et plus grave, cette fille-là, on ne pourra plus jamais la marier. On a peur de ça. Si elles deviennent l'égale des hommes, elles ne voudront plus travailler à la maison. C'est pour ça que personne ne veut que les filles soient éduquées. Elles pourraient rompre avec notre culture. J'ai déjà vu ça bien des fois et j'en ai tiré mes conclusions. Si on ne garde pas nos filles, c'est parce qu'elles coûtent beaucoup d'argent. Surtout au moment du mariage. Il faut l'équivalent de 15 000 euros au moins pour une fille. Alors imaginez si on en avait 3. Les belles familles réclament 8 000 euros au moins pour les fiançailles, puis 15 000 euros le jour du mariage pour accepter notre fille dans leur famille. Les gens parlent toujours des filles qu'on tue, mais ils ne connaissent pas tous nos problèmes. Sur ces terres, les hommes tiennent les mêmes discours depuis des siècles. Les traditions et les coutumes sont profondément ancrées. Personne ici ne veut parler directement des infanticides, mais ces hommes ont été élevés ainsi par leur père, et ces valeurs, ils les transmettront à leurs fils. Pas facile pour Gajendra de faire face à ce conservatisme. En 30 années, elle a bien sauvé quelques fillettes, mais elle sait que ce drame se poursuit dans beaucoup de maisons, à l'abri des regards. Vous voyez cette maison-là juste en face? Eh bien, dans cette maison, ils ont tué au moins 6 ou 7 petites filles. Officiellement, aucune de leurs belles filles n'a donné naissance à une fille. Il n'y a que des garçons qui naissent chez eux. Venez, on s'en va. Regardez cette autre maison-là. Une fille est née, mais la mère ne voulait pas s'en occuper. Je lui ai dit, tu vas aller en prison si tu te débarrasses de ta fille. Alors elle s'est calmée un certain temps. Quand elle est sortie de l'hôpital et rentrée au village, je suis retournée la voir, puis je suis rentrée me coucher. Le lendemain matin, j'ai appris que sa famille avait tué le bébé. Et alors mon cœur s'est rempli d'amertume. Le cœur de Champa, lui, est rempli de crainte. Avec sa fille ce soir, elles ne rentreront pas à la maison. Champa nous a parlé sans l'autorisation de son mari et il est fou de rage. Elle va passer la nuit chez une amie en espérant que demain, la colère sera retombée. J'ai peur de mon mari. Ce n'est pas dans notre culture, dans nos traditions de parler comme ça. Mon mari va hurler. Je ne sais pas ce qu'il va me faire s'il me retrouve ce soir. Il va boire et puis il va se mettre à ma recherche. Après, il va peut-être même me battre. Je ne sais pas. C'est notre vie. On ne pourra jamais quitter nos maris. Si on les quittait, ce serait un crime. On nous ferait passer pour des folles. Donc toute notre vie, on n'aura pas d'autre choix que de suivre nos maris. Peu importe ce qu'ils font, peu importe qu'ils aient raison ou tort, on est condamné à les suivre. Les hommes ne veulent pas que les choses changent. Ils veulent conserver leur position, leur autorité. Ils veulent continuer à décider de chaque chose. Mais un jour, peut-être, ils se mettront à prendre en considération nos idées. Ce jour-là, ça voudra dire qu'on est libre. Alors on s'arrêtera de s'occuper de leur maison, on ne fera plus rien, et enfin ils auront perdu leur autorité et tous leurs droits. Je ne vais pas avoir de problème, vous êtes sûr? Sinon mon mari me tuerait. Oh
New Delhi. Pour une toute petite chose comme moi, elle paraît monstrueuse. Ils sont presque 20 millions, agglutinés ici. Attirés par les lumières de la ville, ils arrivent chaque jour des quatre coins de l'Inde, avec l'espoir de se faire une vie meilleure. Moi aussi, j'y viendrai peut-être un jour. En rêvant d'y trouver un emploi, d'y rencontrer quelqu'un, de l'aimer et de fonder une famille. À Delhi, des hommes et des femmes se croisent. De leurs rencontres naissent des histoires d'amour, belles pour certaines, terribles pour d'autres. Quand les parents de Sunita lui ont présenté son mari la première fois, elle l'a trouvé séduisant. Sa douceur, ses grands yeux, ceux qu'il a transmis à leur fils, ont fait chavirer son cœur au premier instant. La suite, ça a été une interminable descente aux enfers. On est rentré de lune de miel le 11 décembre. Les problèmes ont commencé le 15. Au bout d'un mois, ma belle famille a commencé à m'insulter, à me maltraiter quotidiennement. Quatre mois après notre mariage, mon mari a commencé à me battre. Il n'y avait pas que mon mari. C'est toute ma belle famille qui m'humiliait. Et puis ensuite, les coups ont commencé à devenir plus réguliers. Quand ils étaient énervés, ils me sortaient de la maison. J'ai passé des nuits entières dehors, même en hiver, pieds nus et sans couverture. Le matin, ils me laissaient rentrer avant que le quartier se réveille. Mon mari est devenu de plus en plus méchant. Il me battait comme on bat les criminels. Un jour, j'ai commencé à saigner du nez, des oreilles et de la bouche. Toute ma belle famille, mon beau-père, ma belle-mère, mes belles-sœurs étaient présentes ce jour-là. Ils m'ont vu me faire battre, mais personne ne l'a arrêté. Personne ne m'a amené à l'hôpital. Il était 7 heures du soir environ. Alors ils m'ont enfermé dans une pièce. Ils ne m'ont rien donné à manger pendant 24 heures. Mon mari est parti travailler et il ne m'a rouvert la porte que le lendemain soir. Sunita mettra un an pour trouver le courage de quitter son mari. Ce jour où les coups se sont faits trop violents, elle a eu peur de perdre la vie. Alors elle s'est résignée à pousser la porte d'un commissariat et à porter plainte. C'est dans ce tribunal de Delhi que sont jugées la plupart des affaires de violence domestique de la capitale. Bonjour. Asseyez-vous. Aujourd'hui, Sunita a rendez-vous avec deux avocats spécialisés dans la défense des femmes victimes de mauvais traitements. Son procès démarre dans quelques semaines. C'est très difficile de définir l'importance réelle de la violence domestique. Et c'est encore plus difficile de donner des pourcentages parce que les statistiques sont faites uniquement à partir des cas enregistrés. En revanche, si on veut parler de manière générale de ce problème dans la société, on peut raisonnablement estimer aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul foyer indien qui n'est pas touché par la violence domestique. Heureusement, maintenant les gens savent. Le nombre de plaintes augmente grâce aux médias, grâce aux campagnes du gouvernement. Pour les victimes, les autorités ont mis en place des numéros de téléphone. Il y a des panneaux d'information dans les stations de métro, de bus et dans tout un tas d'autres endroits. Les femmes ont accès à l'information et elles vont maintenant porter plainte. Il faut que vous vous rappeliez de toutes vos déclarations, de tout ce que vous avez écrit dans votre plainte. Sinon, ils vont tenter de vous déstabiliser. Je me rappelle de tout, dans les moindres détails. Je ne pourrai jamais oublier. Sunita, c'est sûr, n'est pas seule. Une étude récente estime que 65% des Indiennes seraient confrontées à la violence domestique.
Et puis il y a aussi le regard des autres à supporter, celui de cette société qui juge les femmes coupables à chaque fois. Depuis qu'elle a quitté son mari, Sunita a trouvé refuge chez ses parents. Avec sa mère, elle cohabite plus qu'autre chose. Aujourd'hui, les filles ne tolèrent plus grand-chose. Elles quittent leur maison, leur mari. À notre époque, même battues, on restait des épouses. On se disait, quoi qu'il arrive, il reste mon mari. Aujourd'hui, ils se parlent comme des cochons. Sa maison, ça devrait être celle de son mari. Vous voulez dire qu'elle doit rentrer ? C'est à elle de voir. Mais oui, il faudrait que ça s'arrange. Il faudrait qu'elle rentre. Parfois, quand ma mère me demande de repartir chez mon mari et que je dis non, on se dispute. Il y a beaucoup de tension. Moi, je lui dis que si elle avait vécu ce que j'ai vécu, elle comprendrait. Elle me répond toujours que ça arrive à tout le monde, que ça arrive partout, même si on ne le voit pas. Pour elle, il faut s'adapter à cette situation à cause de la société. Sunita est rentrée, mais elle sait que cette situation est forcément provisoire. Une fille mariée qui vit chez ses parents, ce n'est pas convenable en Inde. Pour la famille, c'est même un déshonneur. Dans le quartier, les gens commencent à parler. Il y a comme un malaise qui s'est installé à la maison. Tout le monde sait ce que Sunita a enduré. Sa sœur Poonam et son frère ont été témoins de la violence de son mari. Ce qu'ils souhaitent pourtant aujourd'hui, c'est avant tout de préserver les apparences. Le juge saura si elle doit retourner avec son mari. C'est lui qui fixe les règles. Je veux dire que si la cour décide que Sunita doit vivre avec son mari, pour une période d'essai de 3 mois ou de 6 mois par exemple, eh bien elle se rendra peut-être compte qu'il a changé et qu'elle peut vivre avec lui de belles années. Ce serait vraiment bien. Comme l'a dit ma sœur, tout est entre les mains de la justice. La cour doit décider. Si le mari devant le juge reconnaît ses erreurs, s'il dit « je veux vivre avec ma femme et mon fils, je les rendrai heureux », dans ce cas, je crois qu'il n'y a plus de problème. Poussée vers la sortie par la société plutôt que par sa famille, Sunita va se réfugier ce soir encore dans sa chambre. Elle porte un poids immense sur ses épaules, l'honneur de sa famille. Ce fardeau, pourtant, elle le porte avec courage, bien consciente que le silence des femmes victimes de violences en Inde n'a que trop duré. Par le passé, les femmes toléraient tout. Mais aujourd'hui, les choses changent. La violence à l'époque était la même qu'aujourd'hui. Mais les femmes se taisaient. Ce qui se passait dans la maison restait enfermé dans la maison à tout jamais. Moi, je ferai comprendre à mon fils que les femmes ne sont pas forcément fragiles. Que si sa femme est fragile, il ne doit pas s'en servir contre elle. C'est tout ça que je transmettrai à mon fils. Park Street, c'est là que bat le cœur de Calcutta. Je ressens les pulsations de cette ville immense et elle me fait peur rien qu'à l'imaginer. Park Street veut briller, son architecture coloniale et ses beaux magasins tentent de nous faire croire que la troisième ville d'Inde est prospère. Lorsque la nuit tombe pourtant, que les ombres s'étirent, Calcutta dévoile son vrai visage. De ses recoins les plus sombres surgissent quelques fantômes. Je me suis assise dans la voiture de cet homme. Tout de suite après, ses amis sont montés. Ils étaient ivres. Immédiatement, je me suis sentie mal à l'aise. Il a sorti une arme. Il m'a enfoncé le canon dans la bouche. Il m'a dit que si je bougeais,
Il me tuerait. Il a pris le contrôle de moi. Et c'est là que le a commencé. Suzette Jordan a 38 ans. C'est une Indienne pas comme les autres, indépendante et moderne. Il y a un an, des hommes lui ont fait payer très cher cette différence. Ce soir-là, elle sort d'un bar chic de Park Street, accepte de se faire raccompagner en voiture, mais l'homme a convié ses amis, et cette avenue va devenir son enfer. Il prenait mes seins, il me mordait, les lèvres, les seins, comme si c'était des morceaux de viande. Ils se sont servis de moi. Ils m'ont humiliée et maltraitée, comme si je n'étais qu'un déchet. Pendant que l'un d'eux, un autre rigolait et l'encourageait. Et ce que j'entends encore aujourd'hui, ce qui me terrifie plus que le, ce sont ces rires qui résonnent encore dans ma tête. Dans les semaines qui suivent, toute la ville semble montrer du doigt cette victime qu'elle transforme en coupable. Coupable d'être célibataire, d'être sortie dans un bar le soir. Calcutta lui a trouvé un nom, Park Street Girl, la fille de Park Street. Une fille aux mœurs légères, forcément. Dans la société indienne, les victimes de sont forcément responsables de ce qui leur arrive. Elles se cachent. En refusant cela, en parlant et désignant les coupables, Suzette Jordan a brisé un immense tabou. Les victimes de sont systématiquement stigmatisées, à un tel point qu'elles ont parfois honte d'être encore en vie. C'est pour cela qu'on a un tel taux de que des femmes se tuent, ou même qu'elles acceptent d'épouser leur parce qu'on leur fait croire que c'est le seul homme qui pourra encore les rendre heureuses. Si je cache mon visage, je dis que j'ai honte. J'ai honte pour une chose que vous avez fait. Je ne le permettrai pas. Cette évidence est imposée à moi. Je l'ai décidé d'un coup. Le jour où une journaliste est avancée vers moi, elle m'a dit, « Madame, on peut faire une interview ?»« On va masquer votre visage. » Je l'ai regardée, j'ai dit, « Non. Aujourd'hui, vous donnerez mon nom. » En révélant son identité, Suzette Jordan a donné un visage à toutes les victimes de en Inde. Dans ce pays, elle est la toute première à témoigner ouvertement. En répondant aux journaux, en parlant à la télévision, elle a touché toutes les strates de cette société si conservatrice, si injuste. Elle a forcé l'Inde à se regarder en face. Il est 8h du matin. Derrière le rideau de sa chambre, Suzette dort encore. La nuit dernière a été peuplée de cauchemars. Les autres femmes de la maison sont déjà levées. Réa et Jade, les filles de Suzette, doivent bientôt partir à l'école. Gilda, leur grand-mère, prépare les tartines. C'est une maison de femmes, un cocon où elles se sentent protégées. Réa et Jade, sans doute, ont grandi trop vite, mais ces épreuves traversées ensemble ont aussi forgé leur caractère. Elles leur ont donné cette force. On était proches avant cette histoire, mais elle nous a encore rapprochés. De quelle façon ? Quand on traverse des moments forts, qu'ils soient bons ou mauvais, ça rapproche forcément. Ça soude. Et dans ce cas précis, c'était mauvais. Tous les jours, on se dit, ça va être la fin. Mais c'est jamais fini, cette affaire. C'est très perturbant. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ta mère est très différente des autres mères indiennes ? Ouverte d'esprit. Elle est ouverte d'esprit.
Ma mère, c'est un modèle pour nous. Je suis très fière d'elle. Elle est unique. Suzette. Suzette. Suzy. Il est 9h. Dépêche-toi, il faut que tu ailles au tribunal aujourd'hui. Suzy. Suzy. Yes, Suzy. Debout, lève-toi. Cinq minutes de plus. Elle veut 5 minutes de plus. Donne-moi un t-shirt. Je n'ai pas peur, pas du tout. Vous savez, je me sens comme avant les examens, avec une boule dans le ventre. C'est comme ça que je me sens. C'est aujourd'hui, en effet, que tout va ressurgir. Devant un tribunal de Calcutta tout à l'heure, Suzette va affronter le regard de ceux qui ont ébranlé son existence. Tu fais attention à ce que tu portes aujourd'hui. J'essaie surtout de cacher mon bras. C'est mon histoire, ce bras. Il faut que tu le caches. Oui, il faut que je le cache. Sinon, ils ne vont pas penser que je suis triste ou déprimée. Ils vont dire que je suis complètement folle. Ce sont les traces de mon passé. Tu as une vie dure, Suzette ? Dure, oui. Très dure. Parfois, ça me revient. J'ai envie de mourir. J'ai essayé une ou deux fois l'année dernière. J'ai arrêté quand ma fille, l'aînée, m'a surprise. Elle m'a arraché le couteau et elle m'a crié « Maman !» Je lui ai promis de ne jamais recommencer. Et je ne l'ai pas refait depuis l'année dernière. Suzette Jordan avance sans jamais se retourner. Pas un regard en arrière sur cette vie trop chaotique, celle d'une jeune fille cabossée. Adolescente rebelle, mariée trop tôt à un homme qui lui laisse 2 enfants et des marques un peu partout sur le corps. Plus tard, un autre homme, l'amour de sa vie, fauché sur sa moto dans la nuit de Calcutta. Jusqu'à l'insoutenable, ce qu'elle doit affronter aujourd'hui. Je suis prête. Je le suis. Je vais lire ma Bible. Psalm 27. Lord, you are my light and my savior. I should not be afraid of anyone. Evil people might attack me. They might try to destroy my body. My enemies might try to attack and destroy me. But even if an army is all around me, I will not be afraid. Even if people attack me in war, I will not be afraid. Why? Because I trust the Lord. The Lord will protect me when I am in danger. He will hide me in his tent. He will take me up to his place of safety. My enemies have surrounded me, but the Lord will help me defeat them. Then I will offer sacrifices in his tent. I will give the sacrifices. Allez, taxi, en route, le plus vite possible. Je vais au tribunal. Lord, hear my voice. Answer me. Be kind to me. Lord, I want to talk with you. I want to speak to you from my heart. I come before you to speak with you. Lord, don't turn away from me. Suzette a peur. Suzette tremble. Mais elle ne baisse pas les bras. Les familles de ces victimes ont bien essayé de négocier un accord pour qu'elle retire sa plainte. Mais Suzette ne court pas après l'argent. Elle se bat pour la justice. Je veux qu'ils soient condamnés à la prison à vie, qu'ils ne sortent plus jamais. Quand ils seront condamnés,
Je veux qu'ils réfléchissent au mal qu'ils ont fait. Qu'ils sachent. Qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait. Et qu'ils comprennent qu'ils ne sortiront plus jamais. C'est pour cela que je me bats autant. Ce combat, Suzette ne le mène plus seule. Pendant qu'elle s'engouffre dans le tribunal pour affronter son destin, dehors, d'autres femmes sont mobilisées. Aujourd'hui, elles sont venues attendre le verdict de la cour dans une autre affaire de... Une jeune fille de 15 ans morte sous les assauts de 9 hommes. Ces manifestants dénoncent l'inaction des autorités. Je suis un retraité de la police de Calcutta. Et je vous le dis, il n'y a pas de justice pour les femmes de ce pays. Cette société est patriarcale. L'Inde est une société patriarcale. Sauf si la mentalité des hommes finit par changer, les femmes n'obtiendront jamais justice. Les pauvres qui vont voir la police, on ne s'en occupe pas. La loi est faite pour les riches, pour les puissants. J'ai travaillé dans la police pendant 40 ans et je l'ai vu de mes propres yeux. Depuis un an pourtant, depuis le de la fille de l'Inde, le pays sous le choc accepte de moins en moins bien ses violences contre les femmes. La société bouge. Un peu partout, les langues se délient. Le nombre de plaintes pour triplé en une année. Les médias couvrent enfin ces affaires et les femmes vont maintenant jusqu'au bout, jusqu'au procès. Aujourd'hui, les victimes ne sont plus les seules à devoir baisser la tête. C'est un virage important qu'amorce la société indienne, mais le chemin à parcourir est encore long. L'année dernière, un quart à peine des hommes jugés pour étaient condamnés. En Inde, la justice prend toujours autant son temps. Pour Suzette, ce procès ressemble à un marathon. Je suis bouleversée, ne me posez pas de questions. Je me sens mal, c'était vraiment une journée très dure. Venez, faut qu'on s'en aille. Malgré toute la douleur, quels que soient les obstacles qu'ils dresseront sur ma route, peu importe qu'ils essayent de m'humilier, je continuerai à me battre. Pour ma dignité et pour cette partie de moi qui est morte cette nuit-là. Nous ne devons pas avoir à craindre qui que ce soit quand nous marchons, quand nous allons au travail, quand nos filles vont à l'école, où que ce soit. Dans toutes les phases de leur vie, les femmes doivent affronter ces peurs. Et je pense que cette situation doit changer. Les femmes méritent le respect. Pour cela, il faut que quelqu'un porte ce message. Je n'ai plus peur de personne, alors si ça doit être moi, ce sera moi. If it has to be me, then it's me. De tout le pays. Pour nous, les hindous, un pèlerinage ici, c'est incontournable dans une vie.
Comme eux, je viendrai sans doute un jour y chanter des louanges à Lord Krishna. À Vrindavan, on visite les temples qui lui sont dédiés et on est généreux. Du coup, la ville attire une foule de sadhus, de rêveurs et de mendiants en tout genre. Et puis il y a ces femmes. On les voit partout dans les rues et on les reconnaît. À Vrindavan, les veuves sont vêtues de blanc. J'avais une belle vie avant, j'étais heureuse. J'étais une femme libre. Et puis quand mon mari est mort, je me suis retrouvée sans protection. Comme je n'avais pas de travail, je suis venue ici à Vrindavan. Mes enfants ne m'ont pas aidée. Quand on n'a plus de mari dans ce pays, on n'a plus rien. Sinon, je ne serais pas ici dans la rue. À la maison, avec ma belle-fille, ça n'allait plus de toute façon. Elle me faisait vivre l'enfer. Alors je me suis enfuie. Gulabbai arpente maintenant les ruelles crasseuses de Vrindavan. La société indienne observe depuis toujours les veuves avec méfiance. Il y a des siècles, on les jetait vivantes dans les bûchers de leurs maris. Aujourd'hui, elles portent malheur. Dans certains villages, elles sont dépossédées de leurs biens et chassées. Pour les familles modestes, sans mari, elles deviennent inutiles, des bouches en plus à nourrir. À l'heure du repas, justement, Gulabbai se dirige vers un des ashrams de la cité. La ville des veuves, comme l'ont baptisé les Indiens, s'est organisée pour accueillir les plus défavorisés. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine, et pour la majorité, ce sera l'unique repas de la journée. Ici, on a quelque chose à manger tous les jours. D'habitude, il y a une queue à travers toute la cour. Ici, on nous donne à manger avec de l'amour. C'est donné avec beaucoup d'amour. Je suis venue deux fois dans cette ville. La première, il y a longtemps, avec mon mari en pèlerinage. La deuxième fois, c'était seule et pour y rester. Depuis cette nuit où je suis arrivée, 3 ans se sont écoulés. Ça fait déjà 3 ans. Au tout début, j'avais trouvé une chambre et puis un jour, on m'a chassée. Alors, je vis dans la rue. À Vrindavan, elle serait plus de 10 000, ces veuves venues de toute l'Inde. Les journées pour elle passent lentement. Mendier, trouver de quoi manger, ce sont leurs seules activités. C'est la vie de la rue qui les attend. Et quand la nuit enveloppe la ville, Gulabbai et les autres partagent alors le même sentiment, celui d'une infinie solitude. Mes fils, ils s'occupent de leurs enfants. C'est pour ça qu'ils ne m'aident pas, qu'ils ne me donnent pas d'argent. Mais de toute façon, je ne me souviens de rien de ma vie d'avant. Ça doit être enfoui tout au fond de mon cœur. Si c'est mon destin, peut-être qu'un jour mes enfants viendront me chercher pour me ramener à la maison. Et si ce n'est pas le cas, c'est ici que je vais mourir. Les croque-morts s'avancent sur les berges de la Yamuna, le fleuve sacré. La nuit dernière, une veuve s'est éteinte. Dans la religion hindoue, rendre son dernier souffle à Vrindavan la sainte, c'est une chance de stopper enfin le cycle des réincarnations, de rejoindre directement le nirvana. Pour des vieilles femmes au karma désastreux comme elle, c'est presque inespéré. C'est nous qui allons mettre le feu. Elle n'avait personne. Elle n'avait pas de famille, pas de mère, pas de père, personne. Elle était seule à Vrindavan. Je fais ça depuis très longtemps. Moi, ça fait 38 ans. Et vous en avez incinéré beaucoup de ces veuves ?
Oh oui, tellement. J'en ai incinéré autant que j'ai de cheveux sur la tête. Dans l'indifférence, une âme se prépare à partir. Ce matin, il n'y a que les croque-morts qui sont là pour l'accompagner pour son dernier voyage. Les souvenirs défilent, ceux de leur vie d'avant. Ici, dans cet ashram, elles se sentent protégées. Les moyens sont dérisoires, le temps s'écoule toujours aussi lentement, mais au moins, quelqu'un s'occupe d'elles. Regardez ce bâtiment, on est déjà à court d'espace. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur donner un lit à toutes. Ce problème persiste dans ce pays, parce que la population augmente, et c'est pour cette raison qu'on a de plus en plus de veuves qui arrivent à Vrindavan. J'ai été mariée à l'âge de 9 ans. Je ne me souviens même plus comment ça s'est passé. Après, je suis allée vivre chez mon mari, à l'âge de 16 ans. Je suis restée là, j'ai vécu avec lui, j'ai eu des enfants. Un jour, ils m'ont chassée de chez moi. Et c'est là que j'ai appris que mon mari était mort. Je vais vous raconter toute mon histoire. J'ai commencé à avoir des problèmes à 35 ans. Et j'en ai 90 aujourd'hui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ma vie? J'ai l'impression d'avoir parcouru le monde tout entier. J'ai construit des murs avec les maçons. J'ai lavé des vêtements avec des blanchisseurs. J'ai cuisiné, fait la vaisselle, été infirmière chez un docteur. Je me demande parfois ce que je n'ai pas fait dans ma vie. J'ai donné naissance à deux enfants, mais ils ne sont plus à moi. Je suis triste. Je suis triste et je souffre. J'ai plus de peine que n'importe qui au monde. Je me sens tellement mal, tellement misérable. Manu Ghosh a traversé des épreuves, mais elle a su pourtant garder cette petite flamme d'espoir, un regard bienveillant sur son pays, cette Inde pourtant si dure et si injuste. Dans ce pays, à Calcutta, à Vrindavan et partout ailleurs, les hommes ont toujours plus de valeur que les femmes. Mais aujourd'hui, les femmes trouvent enfin leur place. Elles commencent à s'imposer face aux hommes. Les temps changent ? Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, les filles se marient. Elles vont habiter chez leur belle famille, mais elles vont aussi travailler. Par le passé, elles n'étaient pas libres de faire ce qu'elles voulaient. Vous comprenez ? Mais les filles aujourd'hui, elles sortent. C'est fait maintenant. Moi, j'aurais fait ma petite part du chemin. Elles me donnent du courage, ces femmes.
Leurs yeux fatigués ont vu ce que sera peut-être ma vie. Et pourtant, elles sont là. Elles se dressent, elles dansent et elles chantent. Ce que ces vieilles femmes essayent de me dire peut-être, c'est qu'elles y croient encore. Les pulsations de mon cœur s'accélèrent. Quelque part dans cet immense pays, une mère, la mienne, s'apprête à donner la vie. C'est une fille, une petite fille. Je suis une fille, oui, mais ce n'est pas pour ça que je pleure. Qui ne pleure pas le jour de sa naissance ? Déjà mes larmes ont disparu, j'ouvre les yeux, je regarde ce monde. Quelque part au fond de moi, je le sais. Ce pays est beau, il peut changer, il doit changer. Et moi, j'ai envie d'y croire.